Donc cette année, on a 39 ans. Le photoclub 39 ans, c'est bien. L'an prochain, on sera 40, on sera majeur l'an prochain. L'an prochain, on sera majeur. On ne fait pas des photos pour les mettre dans un placard et pas les montrer. Nous, notre désir, c'est de les montrer. Nous, les photos, on les met sur les murs. Même chez nous, si quelqu'un est venu chez moi, il sait qu'il y a des photos partout. La photo, c'est aussi, pour moi, c'est surtout une mémoire, parce que ça me permet de garder un souvenir de ce qui se passe à Pézenas. Moi, c'est Pézenas, d'autres aussi d'autres villes, mais moi, à Pézenas, donc je collectionne des photos depuis que je fais la photo, mais j'ai réussi à récupérer des photos anciennes de Boulanfous, ça m'a fait plaisir, c'est bon, excusez-moi. Ici, nous avons 31 photographes, ils ne sont pas tous là, d'ailleurs, il y en a qui se cachent et qui ont pas peur de venir, mais il y en a qui se cachent, mais 31 photographes qui ont travaillé sur un thème un peu compliqué, parce que la solitude, c'est un thème compliqué à exprimer, et j'ai le bonheur de voir qu'il n'y a pas trop de choses tristes face à la solitude. On voit la solitude sous un côté triste, là, je vois le cas. Je vais laisser parler un petit peu Fabienne, qui va présenter l'exposition. Fabienne est derrière. Alors, avec le sujet sur la solitude qu'il a choisi de traiter cette année, le photoclub, dont 25 membres sur 43 exposent ici, aurait-il cédé à son tour à la grande mélancolie d'aujourd'hui ? 31 membres. Sans doute, la notion de solitude reste-t-elle le plus souvent liée au désarroi et la tristesse, comme disait Louis, bien qu'il existe une solitude heureuse et désirée pour se ressourcer, méditer ou créer. Alors, quel type de solitude avons-nous choisi de montrer? Dans cette exposition, une chose étonne. Seuls quelques photographes ont abordé crûment la solitude extrême, solitude imposée par la mort, la misère et l'exclusion sociale, celle, en somme, qu'on qualifie de pire fléau qui soit. Certes, il y a bien des images qui interpellent violemment, comme ces tombes ouvertes sur la terre désolée, cet homme allongé devant la porte d'une église fermée, cet autre enfoui sous un tas de papiers, ou cette femme assise sur un bord d'escalier usé, à côté de fleurs en train de faner. En réalité, la majorité d'entre nous a préféré faire dans le soft, le doux, le léger, comme si par décence, timidité ou peur de manquer d'originalité, nous n'avions pas osé affronter la cruauté de la vie et de la société. Alors, semble-t-il, pour ne pas brutaliser la sensibilité ou la conscience du spectateur, on a surtout utilisé l'arme de la fausse légèreté, du sourire ou de la photographie léchée. On a joué avec la poésie et l'imaginaire, l'humour parfois, et montré des humains seuls et concentrés sur leurs activités ordinaires. Des femmes peignant, raccoutrant, lisant, marchant, vendant, des sportifs, des équilibristes, des yogistes, des comédiens et des danseurs dans leur bulle sur la scène. Cependant, plusieurs d'entre nous ont préféré jouer avec la symbolique des animaux, des objets isolés, des parasols, des bancs, des lits, des chaises, des vêtements ou des souliers abandonnés. Pour tout avouer, toutes les interprétations nous ont touchés, à l'exemple de cet enfant serrant dans ses bras son doudou préféré, de ce nounours délaissé, de ce ballon bleu égaré parmi les ballons rouges, de ce Christ amputé et oublié dans un grenier. Notre invité d'honneur, qui est à côté de moi, Bruno Mandola, connaît bien la solitude pour l'avoir douloureusement éprouvée dans son enfance et plus tard sublimée pour créer. Il est tailleur de pierre, à la retraite, précise-t-il. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, car dans sa pensée, il sculpte et sculptera à jamais.